Salut tout le monde. Ah, moi je suis en joie avec ce beau soleil qui est revenu. Je sais pas pour vous, mais moi ce midi, je suis invitée à un pique-nique. Alors les pique-niques, c'est sympa, mais il faut encore bien choisir ce qu'on amène à manger, sinon ça devient vite la galère. Surtout que assis dans l'herbe, c'est pas forcément très pratique. Qu'est-ce qu'on mange, Martine? Ah, de la salade de nouilles de riz. Je sers quelqu'un? Oups. Bon appétit à tout le monde. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas acheté des sandwichs tout préparés, hein? E411. Je sais pas trouvé au magasin ça, je sais pas. Allez, moi je vous propose une vraie recette du fait maison, un cake au pesto, basilic, noisette, tomate cerise et provola fumée. Facile à emporter et facile à manger. Première étape du cake au pesto, le pesto bien évidemment. Donc nous aurons besoin d'allumer le Compact Coupe Pro et ensuite de peser 100 g de noisettes grâce à la balance intégrée. 100 g de parmesan, 100 g d'huile d'olive également, une gousse d'ail et un bouquet de basilic. Et comme on va le hacher, on peut mettre les tiges, les feuilles, tout en même temps, on s'en fiche. On referme le Compact Cook Pro et on lance le programme haché. Hop, voilà, le petit pesto noisette basilic. Maintenant, on ajoute les ingrédients de la pâte à cake, donc la levure chimique, un sachet, la farine, 150 g, 3 œufs et 100 g de lait. On referme et on lance le programme 25 pâtes à crêpes pour mélanger cette pâte. Notre base de pâte à cake est prête. On va ajouter la garniture, une dizaine de tomates cerises et la provola fumée. Là, c'est une boule de 250 g qu'on va découper en petits cubes avant de le mettre donc dans le bol du Compact Coupe Pro. Pour mélanger les tomates cerises et le fromage à la pâte à cake, sélectionnez le mode inverse pour transformer les 4 lames en pâte de mélange. 30 secondes à la vitesse 3. On va huiler un moule à cake, y mettre la pâte, préchauffer le four à 180 degrés et ensuite on va cuire le cake 45 minutes. Ah, oh, ça sent bon. Ouh, c'est tout moelleux. Il y a les neveux et nièces qui braillent, là, ils ont faim, alors j'allais leur apporter le cake parce que sinon je pense qu'ils vont être agressifs. Allez, salut.